Qu'est-ce que t'as rapporté de la bibliothèque, Lola? Des autocollants? Je suis pas sûre que ça compte comme quelque chose qui se lit. Lire, c'est trop naze. Non, c'est pas vrai. Et notre seule chance de gagner la soirée pizza, c'est si chaque membre de la famille lit au moins un livre. Eh ben dommage pour toi, parce que je compte pas le faire. Les gars, Lola va ruiner notre super soirée pizza. Qu'est-ce qu'on va faire? Facile, on l'enchaîne dans le grenier et on dit à la dame de la bibliothèque qu'elle a jamais existé. Il suffit que Lana fasse semblant d'avoir plusieurs personnalités. Je peux le faire. C'est pas un peu extrême? Chérie, des pizzas sont en jeu quand même. Attendez, il y a peut-être plus simple comme solution. Vous avez entendu Lola, elle pense que lire c'est ennuyeux. On a juste à la convaincre du contraire. Tu as raison, c'est plus raisonnable. Juste au cas où, garde tes chaînes à portée de main. Waouh, on peut faire des pancakes juste avec des œufs et une banane? Bon sang, je te garantis que ces livres de cuisine c'est du pur délire. Tu veux en lire, hein? Non, mais appelle-moi quand t'auras fait les pancakes. C'est tout pour moi. Ce livre est trop marrant. Il va me falloir de la glace à force de me taper les cuisses tellement je rigole. Tu veux en lire un, Lola? Désolée, maman m'a interdit de frapper quoi que ce soit. Et de mordre, et de mettre des coups de pied, et de tirer les cheveux. Comme neuf, c'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre dans les livres de mécanique. Tu veux en lire un, Lola? Tu rigoles, c'est pas pour ça que je te paie 8 criquets comme convenu. Hé, Lola! Tu veux lire le premier tome de la plus belle histoire d'amour du monde? C'est un vampire sombre et ténébreux et une fille incomprise qui est du mauvais côté du cimetière. Non, merci, mais je préfère les princes charmants aux princes flippants. Bon, alors, qu'est-ce que tu dirais du plus grand combattant du crime de tous les temps? C'est un héros sous couverture avec un as dans la poche. Et son acolyte, c'est... Stop! Pour la énième fois, j'ai pas envie de lire aucun de vos fichus bouquins! Nickelodeon, en exclusivité sur Canal et Numéricable.